Salut à vous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des quintolés sur la gamme pentatonique mineure. Générique. Ok, donc on va se mettre un petit son clair. On va détailler un petit peu ce qui se passe dans ce plan de deux mesures uniquement à l'intérieur de la gamme penta. Donc là dans cet exemple de do mineur en fait. Ça, a priori, je pense que vous êtes familier avec ça. Par contre, regardez bien un petit peu les cellules de 5 notes. Je me suis en fait arrangé pour économiser les coups de médiator. Donc certains attaquent tous les coups. Mais moi, si je garde du coup l'aller-retour, regardez, ça va faire bas, haut, bas, haut, bas, et attaquer le nouveau groupe de 5 par un coup vers le haut. Donc pour éviter ça, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé toutes les liaisons main gauche possibles. Donc à chaque fois que j'ai deux notes sur une corde, vous voyez qu'en fait j'utilise un pull-off, puisque là on descend notre gamme penta. Donc le premier groupe de 5 va faire... Et là on arrive sur le deuxième groupe de 5 avec un coup vers le bas, et ce qui est logique puisqu'on arrive sur un temps. Donc ce qui est sympa à faire, c'est de... pas forcément de le faire sur deux mesures si c'est trop dur au début, mais le faire sur une mesure. Donc pour une mesure, on va arriver sur la corde de ré, regardez bien. Vous voyez, je vais doubler le do à la fin. Là. Donc ça, c'est assez sympa. Je suis sûr que vous n'êtes pas forcément très familier avec des groupes de 5 comme ça, plus des groupes de 4 à mon avis. Hein. Mais des groupes de 5, ça donne un petit décalage, je trouve très sympa. Donc je vous encourage à essayer ce découpage rythmique-là pour essayer de vous perdre un peu dans vos habitudes digitales, ce qui est des fois une bonne chose pour aller faire jouer notre... finalement, aller que notre phrasé aille ailleurs, quoi. Ok ? Donc, et après, sur deux mesures, donc du coup, on va récupérer la corde de sol pour un nouveau groupe de 5. Toujours avec un coup vers le bas sur le nouveau groupe hein, quand on arrive, hein, toujours. Et là je finis à l'octave. Vous allez voir que plus on remonte dans les cordes graves, physiquement sur l'instrument en fait, donc c'est-à-dire qu'on remonte physiquement mais on descend finalement dans le grave, plus c'est difficile de maintenir un jeu clean en fait. Donc au métronome par exemple, là j'ai pas du tout préparé un métronome, j'aurais dû le faire avant, excusez-moi, mais on va le faire en direct, c'est pas grave. Vous allez voir que c'est difficile, donc on va pas mettre 100 BPM, on va mettre 72, on va se mettre le clic sur le premier temps et un charlet. Donc je vais réactiver voilà, mon audio du bureau. Donc déjà pour entendre le groupe de 5, c'est pas facile. Ça, c'est la croche, la double. Et ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ouais, c'est dur hein, de ne pas rusher, c'est-à-dire d'arriver à vraiment faire des groupes de 5 quand même à peu près homogène pour que ça soit cohérent. Et comme on utilise aussi des liaisons, des fois, personnellement, j'ai tendance des fois à accélérer un petit peu, donc c'est bon de le travailler aussi comme ça au métronome. Vous allez voir que plus vous ralentissez la vitesse, plus l'effet pervers du truc devient de plus en plus difficile. C'est quand on s'arrête sur une seule mesure, par exemple. Donc, encore une fois. Ouh. Vous voyez que c'est bon aussi pour moi de le pratiquer comme tel. Vous
après, vous pouvez partir un petit peu où vous voulez. Et aussi, là, je ne l'ai pas fait, mais je vous encourage à essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, le même concept, mais sur les autres positions de la gamme pentatonique mineure, en l'occurrence. Et vous allez voir qu'il y a des doigtés qui ne sont pas évidents à négocier, mais ça donne des idées qui sont parfois intéressantes, je trouve, quand même, et qui nous sortent un petit peu de nos habitudes, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit, cette petite étude un petit peu des quintolés vous aura plu. Et bah merci encore à tous les nouveaux abonnés. On est près de 600 maintenant sur la chaîne. Donc merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.